Jorn Stargate. Jorn Star ne reviendra peut-être jamais sur C8. Après le scandale qui a éclaté il y a quelques semaines, le blogueur Jorn Star voit tout s'effondrer autour de lui. Alors que l'affaire est entre les mains de la justice, son avenir de chroniqueur sur C8 est fortement compromis et il se pourrait, bien qu'il n'y revienne jamais. Une excuse m'en dit plus. Le Jorn Stargate a pris des proportions inattendues après les accusations du blogueur Akabab, qui ne s'attendait peut-être pas non plus à ruiner une carrière en se vengeant. Après avoir publié une vidéo intime de Jorn Star, le jeune homme a ressorti des témoignages accablant le blogueur, et son ami Pascal Cardona de terribles accusations d'attouchement sur mineurs. Totalement abasourdi par le fait que le public soit réceptif à ces accusations, Jorn Star est resté muet de nombreux jours avant de s'exprimer officiellement dans un communiqué, puis un deuxième quelques plus tard, dans lesquels il fait part de sa sidération et de sa tristesse, le tout en précisant que l'affaire avait bien évidemment été placée entre les mains de la justice. Comme pour toute affaire impliquant la justice, et remettant en question l'innocence de l'accusé, Jorn Star a été suspendu de ses fonctions de chroniqueur dans les terriens du dimanche sur C8 aux côtés de Thierry Ardisson. Alors que l'on pensait que cette suspension ne durerait que le temps d'une émission, il se pourrait bien que Jorn Star ne revienne jamais au vu de l'importance de l'affaire. Selon nos confrères de Public, le producteur Stéphane Simon aurait déclaré que le retour de Jorn Star n'est pas prévu de sitôt car les plaintes n'en finissent pas. Même s'il semble le défendre lui aussi, il est toutefois impossible que Jorn Star revienne tant que la justice n'a pas déclaré son innocence. Cela fait maintenant plusieurs semaines que le jeune homme n'a publié aucun SMA, aucun PA, aucun post Instagram et encore plus surprenant, aucun article sur son fameux blog. Si les choses continuent ainsi, le personnage Jorn Star pourrait bien céder sa place définitivement à Jérémy Giscon, ce jeune homme dont le rêve s'est transformé en cauchemar.